TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. L'agriculture, un secteur porteur d'espoir de plus de 100% de Togolais. Des initiatives sont prises pour améliorer le quotidien des producteurs et les amener à produire plus. La mise en œuvre du PD-PRK a changé la vie des communautés dans la région de la Kara. Nous ferons un focus sur ce projet dans ce journal. Le forum des panélistes de la cellule de réflexion du Parti Unir fait la réquisition après la formation sur le plan de développement PND. La commune de Thévier a été ciblée ce samedi pour cette sensibilisation pour une meilleure appropriation du PND par ses populations. Que peut-on retenir de cette rencontre? Restez avec nous, vous le saurez dans ce journal. Et puis la capitale mise au propre ce samedi, premier samedi du mois par les populations. Nous ferons le point de cette opération Togo propre à Lomé commune, à la préfecture du Golfe et à Gonivé avec nos reporters qui étaient sur le terrain ce matin. Voilà, pour les principaux titres, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans le 20h. Ils ont une vision commune pour booster la filière soja au Togo. Producteurs et primo-entrepreneurs de l'entreprise SAM se sont retrouvés à Notier cette semaine pour faire les comptes. Le bilan de la campagne 2018-2019 des clusters agro-industriels appuyés par le PAIGSP. Ils ont également défini de nouvelles approches pour accroître la production du soja bio. Que peut-on noter de cette rencontre? Les nouvelles orientations données à la filière soja. La réponse avec Sivera Boudjou. Environ 2500 tonnes de soja bio ont été collectées auprès des producteurs et des primo-entrepreneurs par l'entreprise structurante Synergie d'action du millénaire, entreprise bénéficiaire du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAIGSP. Il s'agit pour les primo-entrepreneurs et les producteurs d'évaluer à cette rencontre bilan la campagne 2018-2019 dans les clusters agro-industriels appuyés par le PAIGSP. Voir ce qui est fait pour mieux relever les défis qui s'imposent et envisager des perspectives. On a fait des états des lieux, comment est-ce qu'on a travaillé, les difficultés qu'on a rencontrées au cours de la campagne et les solutions que nous pouvons apporter au cours de la nouvelle campagne qui vient de s'amorcer. L'objectif poursuivi par cette entreprise structurante, c'est de parvenir à collecter plus de 4000 tonnes de soja bio pour la campagne qui s'annonce, campagne officiellement lancée au cours de cette rencontre bilan Notien. Une rencontre ayant réuni tous les acteurs de la chaîne, notamment les institutions financières qui accompagnent le projet à travers l'octroi de crédit aux bénéficiaires. Chacun fait son point de réalisation, chacun aussi essaie de voir quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées, les approches de solutions, et donc on met tout ça ensemble pour faire le bilan du cluster. Et en général, à partir des difficultés que chacun a rencontrées, on essaie de réfléchir sur les solutions. Et l'ensemble des solutions débouche évidemment au plan d'action du cluster pour la campagne suivante. L'évaluation de cette campagne consiste à engager des actions en vue d'une meilleure mise en œuvre du projet au cours de la campagne 2019-2020 à travers un plan de travail annuel destiné à améliorer la production. Et justement, l'agriculture, un secteur porteur d'espoir de plus de 60% des Togolais. Le gouvernement ne cesse de mettre les bouchées doubles pour améliorer les conditions de vie et de travail de ses producteurs. La mise en œuvre du projet de développement de la production rizicole dans la région de la Kara, PDPRK, apporte beaucoup. Un projet intégré qui améliore la vie des communautés entières. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans la vie de ses producteurs de riz dans cette région? Voyons cela dans ce grand format signé Adolphe Paca. Chez les concombas, ce tambour ne résonne qu'à de grands événements. C'est aujourd'hui la réception du grand magasin, de l'aire de séchage et du forage. Sur ces nouvelles infrastructures, nous pouvons lire la prescription du nom du projet PDPRK. Projet de développement de la production rizicole dans la région de la Kara.
Pour comprendre l'immensité et la quintessence du projet, direction Kara, où loge le siège de la coordination. Et nous y sommes. Le coordonnateur, M. Aboua, s'apprête d'ailleurs pour une visite de terrain. Nous sommes les bienvenus. En route pour Kulkuda, le premier site à visiter dans la préfecture de la Kosa. Aujourd'hui, nous sommes en visite de terrain. Nous allons voir les réalisations telles que les bas-fonds aménagés, et les magasins construits pour le stockage, et les aires de séchage, et les pistes d'accès et les forages pour l'eau potable. Et nous voici sur le site. Au beau milieu du bassin en aménagement, une pelleteuse avec ses mâchoires d'acier. Depuis des semaines, elle creuse et arrache progressivement tout ce qui doit l'être pour faire de cette immense prairie un grand bassin rizicole. Toutes les équipes sont à l'œuvre pour la construction d'une retenue d'eau, d'un canal d'irrigation et d'une digue de béton cyclopéen avec gabion et enrochement. En tout, 8 sites de bas-fonds à aménager sur une superficie de plus de 450 hectares dans cette première phase. Avec 10 km de pistes de desserte, la construction de magasins de 120 tonnes, des aires de séchage, des abris pour tracteurs et la réalisation de sept forages. Ici, tout est fait prêt. Pour la cérémonie de réception, image nous commence. La joie ou la reconnaissance de la population de Kulkuda se trouve partagée entre l'approvisionnement en eau potable et les gros ouvrages réalisés. Maintenant, dans le milieu, on produit beaucoup de riz, on vend, c'est-à-dire on mange, et il y a le reste, une grande quantité qui va rester, on va vendre, et ça diminue la pauvreté. Réduire la pauvreté par l'amélioration de la production nationale du riz, PDPRK est en train de révolutionner les bassins rizicoles de la Kara et les résultats sont visibles. Les 7 préfectures sont prises en compte. Assoli, Bassar, Bina, Dangpem, Doufelgou, Kéron et Kosa. C'était déjà le début de la saison sèche, début donc des récoltes quand nous sommes arrivés à Kwanahore, dans la Bina. Ici, il suffit d'observer la densité des panicules du riz dans les champs pour comprendre l'engouement des producteurs. Quand vous voyez cette densité de riz sur un hectare, avec les panicules bien chargées, et vous n'allez pas espérer moins de 4 tonnes à l'hectare. Et ceci montre un fort rendement, une bonne production. Kwanahore, à l'instar des autres localités, sont de véritables bassins rizicoles autrefois exploités par les Chinois. Aujourd'hui, le gouvernement décide de prendre cette potentialité en main. Non, je suis très content que le projet est venu. D'abord, les Chinois étaient ici, ils ont travaillé le riz et ils ont récolté. Quand ils sont partis, la rivière là est intacte. Depuis qu'on était là, nous, on travaille le riz, c'est à la volée. Et actuellement, j'ai déjà vu la récolte. Je suis sûr que nous allons réussir. Et c'est la première année qu'on a commencé. Réussir, c'est la pensée qui revient leitmotiv à l'esprit des communautés depuis qu'elles ont reçu les techniques, les matériaux et les infrastructures innovantes. Ils nous ont fait encore des terrains d'essayage que vous voyez ici. Et surtout l'eau que vous voyez là-bas, ça nous a beaucoup intéressés. Vraiment, c'était important qu'on ait ce projet ici, à Boulola. Grâce à ce projet PDPRK, à Kacha ici, nous sommes maintenant libres parce qu'avant, on souffrait des maladies parce que c'est de l'eau de Kacha qu'on prenait. Mais maintenant, on a une eau potable qu'on prend et on n'a plus de problème. Nous remercions notre président fort
pour la lutte qu'il est en train de lutter pour nous, les paysans. Vraiment, tout le monde s'est mis au travail. À chaque deux semaines, il y a les conseillers techniques qui viennent nous faire leurs réunions. Avant le début de la campagne, ils nous sensibilisent sur la rentabilité. On gagnait 500 à 1 tonne par hectare. Mais maintenant, nous avons plus de 6 à 8 tonnes à l'hectare. Donc nous ne faisons que remercier le gouvernement. Par exemple, nous sommes les paysans. Nous constituons plus de 60% de la population du Togo. Et voilà que le gouvernement a un temps de changer les activités de 60% de la population togolaise qui est pénible, les paysans. Donc maintenant, on voit qu'il y a eu un changement. Changement dans les pratiques culturelles, changement aussi dans les rendements, c'est-à-dire que le PDPRK est sur la bonne voie de changer la vie des 1000 femmes, 1000 producteurs dans les attentes du gouvernement de réduire drastiquement la pauvreté en milieu rural. Voilà, un grand format signé Adolphe Paka. Le système d'alerte précoce du Togo, comment fonctionne-t-il? Les informations sont-elles partagées à temps, à tous les niveaux? Le comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel a voulu en savoir et mieux outiller tous les acteurs qui interviennent dans le système. Ils ont été formés sur un sujet sensible, la prise en charge des populations en cas de crise alimentaire grave, voire de famine dans la région. Les précisions de Kamen Madiakako. National et régional du domaine rural, la cellule d'analyse cadre harmonisé des projets et organisations impliquées dans le suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ensemble pour trouver les meilleures techniques pouvant permettre l'opérationnalisation du système d'alerte précoce du Togo. L'idée est d'arriver à fournir des informations utiles à temps pour une meilleure prise de décision et ainsi anticiper la surveillance d'éventuelles crises alimentaires dans le pays. Cet atelier donc permettra, sur la base des réflexions qui seront engagées et sur la base des propositions des participants et sur la base aussi du contexte qui évolue en matière de sécurité alimentaire dans ce pays, quelles sont les actions les plus pertinentes qu'on peut mettre sous forme de plan d'action budgétisé dans les deux années à venir. Mais également, ça va être accompagné d'un plan de renforcement de capacité, c'est-à-dire des actions importantes qui devront faire l'objet de renforcement de capacité devront être ciblées. Les systèmes d'alerte précoce sont mis en place dans le contexte du renforcement du dispositif régional de veille sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ils permettent d'alerter les gouvernements et les partenaires, ainsi que les bailleurs de fonds sur l'imminence des crises alimentaires et nutritionnelles. Et la protection de l'environnement, c'est une affaire de tous et cela passe par de bons gestes, de bons comportements vis-à-vis de la nature. À Tandoar, l'ONG Action Réelle sur l'enfant et la femme fait la promotion et la vulgarisation des fours et foyers améliorés pour participer à la lutte. Elle est accompagnée sur le terrain par le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique. Désiré Aloyer pour les précisions. La protection de l'environnement, une préoccupation et tous les acteurs, collectivement ou individuellement, doivent jouer leur partition pour relever le défi. L'ONG AREF, Action Réelle sur l'enfant et la femme, répond à la question « Quelle contribution à la réduction de la vulnérabilité climatique ?» Faire la promotion et la vulgarisation de l'utilisation des fours et foyers améliorés, une réponse parmi tant d'autres. Une sensibilisation des populations à Tandoar et les appuyer dans la mise en place de plantations à vocation bois énergie. Le projet est financé par l'Union européenne et l'Alliance mondiale contre les changements climatiques dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques PALCC dans la région des savanes, Kara et Centrale. Elle vise essentiellement et principalement l'efficacité énergique en réduisant les pertes d'énergie dues à l'utilisation des foyers et fours traditionnels voraces et inefficaces. À Tandoaré, ce projet est mis en œuvre par AREF. On aura vulgarisé les fours
et foyers améliorés dans les villages. Nous aurons à les sensibiliser sur la déforestation, l'érosion et les bonnes pratiques agricoles, bien sûr. Et nous aurons aussi à les sensibiliser sur l'utilisation du bois énergie, d'une façon à amoindre l'utilisation du charbon et du bois énergie. 180 000 plants seront mis en terre dans les trois régions cibles du projet. L'ONG AREF dans les savanes fait partie du consortium de mise en œuvre des différents projets dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique soutenu par l'Union européenne et l'Alliance mondiale contre le changement climatique. Le programme par des sensibilisations amènera les populations à reconnaître les effets néfastes de la déforestation et appeler tous à un changement de comportement pour sauver la planète. Les jeunes Togolais innovent dans le domaine des technologies, mais ces inventions doivent être connues et vulgarisées à l'international. Mais comment y arriver? L'initiative Mécafaire apporte la solution. C'est une fois des solutions d'outils technologiques et artisanaux. La première édition a été lancée cette semaine grâce au réseau des espaces américains de l'Université de Lomé. Sergine Raimondo et Ramdan Bassina. La technologie au service de l'artisanat et du développement, c'est le pari que veut gagner MECTOGO, une plateforme d'exposition et de partage des dernières innovations et créations mises en place par l'ambassade des États-Unis au Togo et Ecotech Lab. Sont attendus à cette première édition du MECTOGO de jeunes artisans, développeurs et concepteurs de solutions digitales. Nous avons trois jours d'activité à travers lesquels les participants, qui sont de divers horizons, on a des artisans, des ingénieurs et des gens de d'autres domaines comme le marketing, les sciences économiques. Et ensemble, ils vont acquérir des notions telles que le design thinking, comment quitter l'idée pour des produits innovants. Ils vont apprendre comment utiliser la technologie, donc à savoir l'ordinateur, pour concevoir leurs idées et utiliser des machines telles que l'impression 3D et les découpeuses laser, les CNC, pour usiner des pièces qui seront uniques mais en même temps facilement reproductibles et qui auront une qualité meilleure, propre à l'exportation. L'ambassadeur des États-Unis au Togo croit fermement que les innovations permettront au pays de poursuivre sa croissance économique. J'étais très fort impressionné par ce que j'ai vu dans la tente, les initiatives faites au Togo, qui sont l'avenir du Togo avec la jeunesse togolaise. C'est le sort de choses que nous, en partenariat avec le peuple togolais, on veut voir avancer pour l'avenir du pays. MECTOGO, première édition, c'est du 30 avril au 2 mai au campus universitaire de Lomé. Une cinquantaine de jeunes créateurs exposeront leur savoir-faire afin de promouvoir le Made in Togo à l'échelle internationale. La technologie et le numérique sont indissociables aujourd'hui. Une école numérique pour tous est désormais possible au Togo avec le réseau Énergie TIC pour l'éducation et les entreprises RETIS. Ce nouveau réseau innovant devra porter l'initiative du numérique pour tous et partout sur le territoire. La présentation de RETIS a été faite cette semaine. Karine Olanlo et Lucassi. Le réseau énergie et technologie de l'information et de la communication pour l'éducation et les entreprises RETIS, une solution innovante à la numérisation. Ce système apporte de l'énergie et le numérique pour tous et partout. Il est donc composé entre autres de tablettes, d'un serveur local et d'un panneau solaire pour permettre aux établissements scolaires et entreprises d'évoluer dans le numérique sans Internet. C'est une solution qui permet d'équiper établissements scolaires ou entreprises en apportant la capacité de pouvoir avoir son serveur en local, d'avoir l'infrastructure sans fil dans l'école et d'avoir pour une classe tout ce qui éliminerait toute utilisation de papier et à la fin un terminal pour chaque enfant. Et dans ce programme, on donne aussi un kit énergie pour chaque maison. En classe, l'enseignant a sa tablette et tous les élèves de la salle de classe ont chacun leur tablette. Le livre, pour l'ouvrir désormais, il n'y a plus besoin de dire aux enfants de sortir de leur sac parce que le livre se trouve sur le serveur et sur les tablettes. Donc on ouvrira des livres électroniques. On veut prendre des cours, les enfants peuvent prendre leurs cours sur leur cahier numérique. Disponibilité de la connectivité à un haut débit, administration et salle de classe numérisées. Voilà quelques-uns des avantages que présente le RETIS, en plus de la baisse de coûts qu'il induit. C'est bien d'apprendre à écrire à la main. Cet apprentissage même, on peut le faire au numérique.
un élève apprend plus vite à écrire en écrivant avec le stylet sur la tablette parce qu'il y a un logiciel qui l'accompagne. Donc, ça change la vie de l'enseignant qui a des tas de cahiers à corriger. Mais une fois qu'il a préparé correctement son cours en version numérique, la correction, les réponses sont prévues et ça lui facilite aussi la tâche. Les zones les plus reculées, l'école peut être une école à 2-3 personnes sous un cocotier, il bénéficie du même dispositif. L'équipement que nous avons là, c'est dans une valise. On prend la valise, même pour les nomades, quand ils arrivent sous le Néré, ils déploient la valise et tout le monde est connecté. Donc il n'y a pas de difficulté pour les zones rurales par rapport aux zones urbaines. Mise en place par un Togolais, Rétis fonctionne sans Internet. Plus de 35 000 emplois directs et 200 000 emplois indirects pourraient être créés si Rétis est utilisé au Togo. L'appropriation du plan national de développement PND par les populations, une étape importante pour sa mise en œuvre efficace. La cellule de réflexion du parti Union pour la République s'y engage fortement. Après la formation des formateurs sur le PND, le forum des panélistes passe à la sensibilisation. Les populations de la ville de Thiévier maîtrisent mieux les enjeux et défis du plan national de développement. Nous retrouvons Lucassi. Le forum des panélistes de la cellule de réflexion UNIR poursuit sa campagne de sensibilisation sur le plan national de développement PND 2018-2022. Après la formation nationale en avril dernier sur ce programme quinquennal, les panélistes passent à la phase de restitution dans leurs régions respectives. Les trois axes principaux du PND tels que mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région et consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion ont été expliqués de fond en comble aux populations de la commune de Thiévier. Pour vulgariser les projets et les réalisations du chef de l'État, nous-mêmes devons les approprier. Nous devons avoir connaissance effective et réelle de ces projets. C'est en cela que nous avons initié cette formation le 20 avril dernier sur le PND, le Plan National de Développement, qui est un projet novateur, un projet qui va accélérer notre croissance économique. C'est un projet où toute la famille, tout ce pays, notre nation, doit connaître ses atouts, ses avantages, ses ressources. L'aéroport qui est aussi un atout, toutes les rues qui sont tracées, avec ces ressources minières d'ailleurs que nous en avons, comment essayer de les fructifier, comment essayer de les gérer dans des domaines comme l'axe 2 et avoir l'agriculture, dans des domaines clés. Comment faire évoluer encore notre transport en appuyant les compagnies, les agences qui sont là. C'est en cela maintenant, comment la répartition de ces ressources, une fois acquises, sera faite. Et nous sommes dans l'axe 3. Donc nous sommes dit que sur ce PND, nous devons le porter à la connaissance de tout le public. À l'issue des échanges qui ont aussi porté sur l'art oratoire, ces militants et sympathisants du parti Union pour la République Unir ont réaffirmé leur engagement à apporter leur contribution à la réussite du PND. C'est un plan qui tient énormément au président de la République, son Excellence Monsieur Faure Essobzina Nyasimbe. Nous demandons et nous encourageons nos jeunes frères à s'atteler à la culture de l'ananas. Parce que cette culture, il y a une usine qui est déjà prête pour l'exploiter, pour l'acheter et pour transformer cet ananas sur place. Donc, il y a aussi d'autres domaines comme la transformation de la noix de palme. Nous encourageons nos frères, nos sœurs à s'atteler à la terre. Les défis liés à la décentralisation et aux élections locales à venir dans le pays ont été également abordés au cours des discussions. Et pendant ce temps, le pacte socialiste pour le renouveau PSR forme ses militants sur la notion de justice et de démocratie. C'est pour les préparer en amont à occuper des postes de responsabilité demain. D'autres partis de l'opposition ont pris part à la séance ce samedi à Lomé. Que peut-on retenir de ce colloque, Yves Agbevivi? Plusieurs panels ont meublé ce colloque du parti politique PSR, Pacte socialiste pour le renouveau. Un colloque placé sous le thème « Justice et démocratie » et qui a éclairé les partisans du parti sur le sujet. Pour le PSR, la lutte politique au Togo a été marquée depuis un temps par des accusations portées les uns contre les autres et vice-versa, avec pour conséquence le surplace. Et il faut donc lutter autrement avec à la clé
les vraies valeurs de la justice et de la démocratie. Nous ne devons pas perdre espoir. Ce sont des bas, ce sont des hauts, mais nous devons nous remobiliser pour pouvoir retravailler en vue donc, de réaliser cette alternance. Dans cette lutte, le PSR appelle la justice à sa responsabilité. Dans une démocratie, la justice, qui est un pouvoir séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, doit être impartiale. Trois panels notamment, regards croisés sur le thème justice et démocratie, l'indépendance de la magistrature et du magistrat et enfin, contribution du juge à l'enracinement de la démocratie. Voilà des sous-thèmes décortiqués par des juristes et enseignants-chercheurs au profit des participants à ce colloque. Des responsables d'autres partis politiques de l'opposition ont pris part à cette rencontre. Dans l'actualité à l'étranger, en bref, au Bénin, le calme est revenu à Cotonou après deux jours de violence post-électorale. Un calme précaire, plus précisément dans le quartier Kadiangou, où se situe la résidence de l'ancien président Boni Yayi. Mais des militaires et policiers sont toujours déployés au carrefour stratégique. Il n'y a pour le moment pas de bilan officiel suite à ces incidents, mais l'opposition, elle, évoque au moins deux morts. Les appels au calme et au dialogue se multiplient. Également au Bénin, où la situation sécuritaire inquiète dans le nord du pays, deux touristes français et leur guide béninois ont disparu depuis plus de 48 heures. Ils visitèrent le parc national de Pendari dans le nord du Bénin, a annoncé vendredi une source sécuritaire. On ne parle pas d'enlèvement pour l'instant, mais les recherches se poursuivent. Suivez ce reportage, France 24. Un safari mercredi à 15h et ne sont jamais revenus à leur hôtel. Deux touristes français et leur guide local sont désormais portés disparus dans le parc national de la Pendjari, dans le nord du Bénin. Deux avions et une centaine de personnes sillonnent depuis mercredi les 5000 km² du parc. Ils n'ont pour l'heure trouvé aucun indice, aucune affaire personnelle. Le guide connaissait parfaitement le secteur. Selon la direction du parc, difficile d'imaginer qu'ils aient pu se perdre. C'est dans leur hôtel Lodge qu'ils ont été vus pour la dernière fois. Ils étaient arrivés ici, mercredi, vers 13h. Ils sont sortis comme d'habitude. Les guides, ils sortent pour chercher des animaux, pour montrer aux touristes. Et c'est ainsi qu'ils sont sortis et ils ne sont plus revenus. Est-ce que cette disparition de touristes vous étonne ? Oui, ça nous étonne parce que on a jamais connu ça. Situé non loin de la frontière avec le Burkina Faso, les lieux se trouvent dans une zone déconseillée aux touristes par le ministère français des Affaires étrangères, en raison de la présence dans la région de groupes terroristes. Le parc dispose de sa propre sécurité avec une centaine de rangers entraînés. Tous les mois, des avions survolent également le parc pendant 90 heures à la recherche d'éventuels braconniers. Mais selon la direction du parc, aucune présence de groupes armés n'a été enregistrée ces dernières années. Et retour en page nationale des rues et quartiers de Lomé, mis au propre ce 4 mai, premier samedi du mois. L'opération Togo Propre a été observée partout, sous la coordination de la direction de la formation civique. AOIF a assaini le marché de Baie, le CMS de Kakavelli pris d'assaut par les jeunes du mouvement Fort, entre autres. Le mouvement des femmes unies d'Aflaogakli était à Toti pour cette opération de salubrité avec l'appui de la préfecture du Golfe. Les jeunes du conseil préfectoral d'Aguanivé n'étaient pas restés en marge de cette action sous la supervision du préfet d'Aguanivé. On fait le point de cette opération Togo Propre avec Sergine Raimondo, Aïcha Diébrou, Jules Afantiao, Honoré Montreau et Yves Agbevivi. De Lomé et ses environs, dégagement des dépôts d'ordures ça et là, désherbage des alentours des structures, c'est l'opération de salubrité Togo Propre. Au CRS Kakavelli, tout comme à Aditikope et au lycée technique d'Adjidogomé, les citoyens ont massivement répondu présent à cet appel lancé par le gouvernement pour un environnement sain. L'appel que j'ai à lancer aux jeunes, c'est de les inviter pour qu'ils puissent sortir chaque samedi avec nous pour que nous puissions mettre au propre notre commune qui est Aditikope. Pour nous, c'est une opération de citoyenneté, une bonne opération, une opération qui mérite d'être faite par tous les services ou par tous les citoyens. Même son de cloche à Baie, la population de cette localité conduite par l'ONG International Youth Fellowship a pris d'assaut les allées du marché. Les artères de notre pays doivent être comment ? Propres. Donc c'est seulement par l'opération Togo Propre que cela est possible. Et nous sommes là ici aujourd'hui pour donner un ton
pour appeler la population de Bay à réagir selon le son du gouvernement. La population est alors invitée à emboîter le pas à ces structures dans cette action de salubrité qui contribue à une meilleure hygiène de l'environnement et du cadre de vie. Dans un esprit de solidarité, le mouvement des femmes unies d'Aflaougakli et les commerçantes du marché de Toti se sont mobilisées pour le premier samedi du mois, opération Togo Propre. Elles ont nettoyé les rues et les alentours du marché de Toti avec l'appui de la préfecture du Golfe. Nous sommes venus nous associer à nos sœurs et frères du marché de Toti pour balayer, mettre vraiment le marché au propre. Malgré la pluie de ce matin, les femmes et les commerçants du marché de Aplaou-Toti sont sortis nombreux pour entretenir les alentours du dit marché. Le préfet les encourage et demande aux autres associations d'emboîter les pas à ce mouvement pour que notre préfecture où nos quartiers soient vraiment libérés des ordures. C'est la preuve que cette initiative suscite de plus en plus un engagement citoyen des populations. Le mouvement des femmes unies invite les autres femmes, surtout la jeunesse, à adhérer à cette opération de salubrité pour garder leur environnement plus attrayant. Ils sont sortis massivement pour l'opération Togo Propre. Les jeunes du conseil préfectoral de la jeunesse, les populations et élèves du lycée Agouet-Centre n'ont ménagé aucun effort pour la cause citoyenne. En bon père, le préfet de la localité a montré l'exemple aux jeunes en participant lui aussi à cette action citoyenne. Ce qui est remarquable, c'est que de plus en plus, les organisations de la société civile s'approprient le concept de Togo Propre. Et c'est un pas très qualitatif. Je voudrais donc exhorter les autres organisations de la société civile à emboîter le pas à ces associations qui le font déjà. Cette œuvre civique est un appel lancé aux populations d'Aguanivé pour prendre soin de leur milieu de vie et rendre belle et attrayante leur préfecture. Un cadre sain, voilà le cadeau que le conseil préfectoral de la jeunesse veut offrir aux candidats des examens qui se dérouleront sous peu dans le dit établissement. C'est une couche sociale longtemps négligée et oubliée vu leur aptitude physique très visible. Et pourtant, ce sont des handicapés, malentendants et ont besoin d'être considérés dans les programmes de prise en charge des personnes en situation de handicap. La première édition de la Nuit de langue des signes se présente comme une opportunité pour porter plus haut les cris de cœur lancés par cette couche vulnérable. Le récit de la soirée avec Urich Amega et Kouessala. Un sketch dont le message en dit long sur l'importance de la communication dans le monde des personnes souffrant du handicap auditif. C'est la Nuit de la langue des signes, première édition. Une soirée de causerie-débat sur la problématique de l'intégration de ces personnes dans la société. Les panélistes ont démontré la valeur de la communication gestuelle dans l'intégration de cette couche dans la société. Nous avons compris que quand on évoque la thématique du handicap, les gens font en même temps référence aux personnes handicapées physiques. Ils font référence aux personnes handicapées visuelles. Mais la déficience auditive n'est pas visible et donc on ne se rappelle plus de cette déficience. Ce qui fait que dans l'élaboration des projets et programmes à l'endroit des personnes handicapées de façon générale, les personnes sourdes, c'est à l'exécution qu'on se rend compte que mais il faut ajouter au moins quelques-uns pour qu'on puisse parler de l'inclusion. Nous voulons essayer de donner, d'allumer les éclairages, les projecteurs, pour permettre à tout un chacun de savoir que les personnes sourdes aussi ont besoin d'être soutenues, pour que la langue des signes puisse avoir son importance dans la société. Des professionnels des médias ont été formés à cet effet pour contribuer à la promotion de cette forme de communication. Des attestations leur ont été remises pour marquer la première édition de ce rendez-vous. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Très belle soirée à vous.